with you. I can't be sad with you. Just take my hand and fly up through the dreams where the skies are so clear. With you, I wanna stay with you. With you, I love the way that you love me today. Let's run up through the fire. Bonjour. Dans cette vidéo, on va travailler ensemble pour faire ce cardigan. Il peut être fait soit pour femme, celui-là, je l'ai fait pour moi en taille 42, et celui-là, il est fait en taille 44-46 et il est destiné à un homme. On va travailler ensemble. Suivez-moi, on va le faire au point de riz. Il est très facile. Je vous montrerai tout au long de la vidéo mes pages écrites avec pour chaque taille combien il faut faire. Voilà, celui-là, j'ai utilisé un fil acrylique pour le faire. C'est un fil acrylique. J'ai utilisé un crochet numéro 5. Et il m'a fallu 500 grammes. Ça veut dire 10 pelotes de 50 grammes comme celle-là. Non, j'ai utilisé 500 grammes. Mais celle-là, c'est la 11e. J'ai pris quelques fils pour finir la bordure. Une bordure, un côté d'une bordure. Voilà. Donc, on va utiliser le fil. Pour celui-là, j'ai utilisé un autre fil. C'est du coton. J'ai utilisé les deux fils pour faire celui-là. Ce qui fait qu'il est en coton, donc ce qui fait qu'il est très lourd. Donc, il nous faut le fil, de 1 mètre ruban, des ciseaux, le crochet numéro 5, comme on a dit. Et puis, il vous faudra avoir des marqueurs. On en aura besoin, des marqueurs. Et puis, une aiguille pour coudre. Pour faire ce travail ensemble, il faut d'abord faire un échantillon. L'échantillon au point de riz. Je laisserai dans la boîte de description le lien de la vidéo du point de riz. Et je laisserai en haut de la vidéo aussi. Donc, pour l'échantillon, avec le crochet numéro 5, vous devez faire 13 mailles et 11 rangs. Et ça vous donne un carré de 10 cm. On commence tout de suite. Donc, on va commencer la bordure du dos. Je prends mon crochet et je vais faire, et mon crochet numéro 5 et mon fil, je vais faire un nœud. Je commence par faire le nœud, j'introduis mon crochet et je vais faire 10 mailles chaînettes. Donc je vais faire 10 mailles chaînettes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 9 et 10. Voilà, j'ai 10 mailles chaînettes. Je vais sauter la première et dans la deuxième, je m'introduis, je fais une maille serrée. Je vais m'introduire dans la deuxième et faire une maille serrée. Voilà, première maille serrée. J'introduis le crochet dans la deuxième, je tire le fil et je fais une deuxième maille serrée. Je continue, je vais faire 9 mailles serrées. On avait 10 mailles chaînettes, la première on l'a pas travaillé, donc on aura 9 mailles serrées. Continue comme ça jusqu'à la fin de ce rang. Voilà. Voilà, je termine, j'ai mes 9 mailles serrées, je vais faire une maille en l'air, je tourne mon travail, et bien, j'ai regardé comment ça se présente devant moi, et la chaînette, elle est ici. Donc moi, je vais travailler la première maille et le brin en bas, ce brin-là. Vous voyez, il y a ce brin-là et celui-là. Moi, je m'introduis dans le brin qui est en bas et je vais faire une maille serrée. Donc, je continue. Je vais faire une maille serrée dans chaque maille
mais dans le, sur, en utilisant, en introduisant dans le bras arrière. D'accord ? Bon, il nous reste ce, comme ça. Vous allez obtenir un schéma comme ça. Donc, c'est pour faire la bordure du dos. Voilà, j'ai terminé. Vous faites attention. Vous faites attention au début et à la fin, les mailles. Et vous comptez 2, 4, 6, 8, 9. Que vous avez toujours 9. Si vous avez peur de vous tromper ou d'oublier une maille, mettez des marqueurs au début et à la fin. Donc là, à la fin, je vais faire une maille en l'air. Je tourne mon travail et je vais refaire la même chose. Pas devant, je ne travaille pas devant, je travaille derrière. Et là, j'ai deux brins, j'ai deux fils là, deux brins avec deux brins. Donc, je travaille sur le brin. J'ai cet épi là, ou cette chaînette. Donc, elle a deux brins. Moi, je travaille dans le brin qui est en bas. Ok, donc je commence par la première maille. J'ai fait une maille en l'air et je m'introduis ici dans ce brin et je fais une maille serrée. Je continue. Sur toutes les mailles, je vais faire une maille serrée. Je vais continuer jusqu'à atteindre la longueur de ma taille. Donc, selon la taille de la femme, pour la taille XS, S ou 28-34, donc la bordure, on va faire 47 cm. Pour la taille 36-38, vous faites 51,5 ou 52. 40-42, 57, c'est la taille que je vais faire moi. Je vais faire avec vous. Donc, et pour la taille 44-46, c'est 62. 48-54, c'est 70. Et 56-62, c'est 80 cm. Donc, vous faites votre bordure, comme on a dit. Donc, la bordure, c'est celle-là, c'est ce qu'on est en train de travailler. Je vais faire une maille en l'air. Et je vais travailler, je vais commencer mon travail sur le brin arrière pour faire des mailles serrées. Jusqu'à atteindre la longueur de la bordure selon ma taille. Et vous continuez jusqu'à la longueur souhaitée et on se retrouve. Voilà, ma bordure, elle est terminée maintenant pour moi. Je fais 56,5 ou 57 cm. Pour ma taille, je dois prélever 73 mailles. Donc pour la taille 28-34, vous prélevez 61 mailles. Pour 36-38, 67. Pour ma taille 40-42, je dois prélever 73. Et 44-46, 81 mailles. 48-54, 91. Et 56-62, 103 mailles. Voilà. Je commence d'abord par faire une maille en l'air. Et je m'introduis dans la première. Je fais une maille serrée. Et dans cette partie là, je prélève une deuxième maille et je vais faire une maille serrée, donc j'ai déjà deux. Et là, vous voyez cette partie et cette partie. Donc là, je prélève une maille, je fais une maille serrée et ici une maille serrée. Donc c'est un rond de mailles serrées et vous prélevez le nombre de mailles selon votre taille. Pour ma taille, comme on a dit, 40-42, on va prélever 73. Jusque-là, j'ai prélevé 4 mailles. 1, 2, 4 mailles jusqu'ici. Donc, ici, dans la partie basse, je prélève une maille et je fais une maille serrée. Donc, je m'introduis, j'introduis mon crochet et je prends une maille. Et dans la partie haute, là, je prends une maille. Et dans la partie basse, je prends une maille. Il faut des petites astuces pour avoir une bonne répartition des mailles et c'est tout. Donc voilà, vous faites comme ça, tout le long, tout ce rond là. Voilà, j'ai terminé. J'ai prélevé le nombre de mailles qu'il fallait pour ma taille. Donc c'était 73 mailles. Donc j'ai prélevé mes 73 mailles. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire une maille en l'air. Je vais faire une maille en l'air, je tourne mon travail et on va commencer à travailler. Donc j'ai fait une maille en l'air, dans la première maille, je m'introduis et je fais une maille serrée. Ensuite,
Dans la maille suivante, je vais faire une bride. On va faire le point de riz. Je vais faire une petite vidéo sur ce point. Donc, si vous voulez aller voir le point avant de venir travailler, sinon vous suivez et c'est tout. Donc, une maille serrée dans la première, une bride dans la deuxième, une maille serrée dans la suivante, une bride après. Donc, tout ce rond, ça va être successivement une maille serrée, une bride, une maille serrée. Donc, voilà. Je continue comme ça. Après la bride, je vais faire une maille serrée ici. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ne perdez pas vos premières mailles. Si vous avez peur de perdre, mettez les marqueurs. Comme ça, vous n'oubliez aucune maille et vous aurez une bordure bien définie. Voilà. Donc, je continue. Là, j'ai fait une maille serrée. Je continue dans la suivante. Ce sera une bride. Continuez ce rond comme ça. Et on se retrouve à la fin du rond. Voilà, j'ai terminé mon premier rond. Donc, j'ai terminé par une maille serrée à la fin. Pour commencer le deuxième rond, je vais faire 3 mailles en l'air que je vais considérer comme une bride. Donc, pour moi, la première maille, je l'ai travaillée. Je vais passer à la deuxième et je vais faire... J'avais une bride là. J'avais une bride et je vais faire une maille serrée. Sur la maille serrée que j'ai là, je vais faire une bride. Sur la bride, j'ai une bride ici. Donc, je vais faire une maille serrée dessus. Je vous ai dit que j'allais faire une petite vidéo sur le point de riz. Mais avec une laine, un fil clair. Comme ça, il sera plus facile de voir. Avec cette couleur, c'est pas facile. Donc là, j'ai une maille serrée, je vais faire une bride. Sur la bride que j'ai là, je fais une maille serrée. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Sur ce deuxième rang, si je vois que j'ai fait le rang précédent une bride, dessus, je fais une maille serrée. Si j'ai fait une maille serrée, je fais une bride. Donc, j'inverse. Sur la bride, je fais une maille serrée. Sur la maille serrée, je fais une bride. C'est un point très facile. Seulement, il faut savoir ce qu'on va faire, c'est tout. Donc là, j'ai une bride. Je vais faire dessus une maille serrée. Et on continue comme ça. À faire des brides sur les mailles serrées. Le troisième rond. On inverse encore une fois et le quatrième rond la même chose et ainsi de suite. Donc voilà, j'ai une bride là, je vais faire une maille serrée dessus. Sur la maille serrée, regardez, j'ai une petite maille serrée là. Là, je vais faire une bride. Et sur une bride là, regardez, voilà la bride, elle est là. Sur la bride, je vais faire une maille serrée. Et sur la maille serrée, une bride, et ainsi de suite, jusqu'à la fin du rond. Le troisième rond, ça va être exactement la même chose. C'est un seul rond à répéter. Bon, c'est deux ronds à répéter plutôt. Vous continuez comme ça jusqu'à la fin du rond, et on se retrouve. Voilà fini le deuxième rond. Pour passer au troisième rond, comme j'ai terminé avec une bride, j'ai fini mon rond avec une bride, donc, je commence par faire une maille en l'air, je tourne le travail et je vais faire, ici j'avais une bride, donc dans la première maille, je vais faire une maille serrée. Dans la deuxième maille, qui est une maille serrée, je vais faire dessus une bride. Sur la bride là, j'ai une bride. Je vais faire dessus une maille serrée. Et je continue tout le rond comme ça. Chaque fois que je vois une maille serrée, je fais dessus une bride. Si je vois une bride, je fais dessus une maille serrée. Jusqu'à la fin du rond. Je continue comme ça. Donc, quand je termine mon rond avec une bride, je commence par une maille en l'air.
je fais une maille serrée dans la première maille. Mais si je termine le rang comme on a vu dans le premier rang, si je termine le rang avec une maille serrée, je commence le rang suivant avec trois mailles en l'air que je considère comme une bride. Et donc, je ne travaille pas la première maille. Je passe directement à la, maille, à la deuxième maille où je fais une maille en l'air. Une maille serrée. Voilà. Donc, c'est ça. Si vous ne comprenez pas, si vous vous trompez ou vous avez peur de vous tromper dans, en faisant ce point de riz, allez voir la petite vidéo sur le point de riz, exercez-vous et revenez faire le travail du dos. Donc le dos, on va travailler comme ça, toutes ces mailles, on va travailler nos mailles jusqu'à atteindre la hauteur sous les aisselles pour faire les diminutions pour les émanchures ou sous les épaules. J'appelle ça les émanchures. Donc voilà, on va continuer pour les tailles. Donc on va continuer comme ça en travaillant le point de riz pour chaque taille. Voilà ce que ça va, ce que vous allez faire. Donc pour la taille 28, 34 ou XSS, vous allez travailler 40 cm et demi. Voilà, on va travailler 40 cm et demi de hauteur. Donc vous travaillez 47 cm de point de riz. Et on se retrouve pour la taille 36-38 qui est la taille M. Travaille également 40 cm et demi. Pour ma part, moi je suis en train de faire 40-42, donc c'est la taille L. Je travaillerai également 40 cm et demi. Et on se retrouvera pour taille 44-46 qui est XL, donc vous travaillez 42 pour. Pour toutes les autres tailles, c'est 42 cm. Vous faites 42 cm. Ça, c'est pour les femmes. Pour celles qui travaillent ce gilet ou ce pull, ce gilet plutôt, pour hommes, vous allez travailler. Donc, pour la taille, pour la petite taille, vous faites 43 cm. Voilà, pour taille S, M et L, vous faites 43 cm. Pour XL, pour les autres tailles, c'est 44,5. 44 cm et demi et on se retrouve. Une fois arrivé, voilà mon dos, le travail du dos est terminé pour moi. Avant les diminutions des émanchures, comme on avait dit. Donc, là, pour la taille L, on avait dit qu'il fallait 40 cm et demi de hauteur avant de commencer les diminutions pour sous les aisselles. Voilà. Donc, on va commencer à travailler maintenant, à diminuer pour. Sous aisselle ou émanchure. Donc voilà, j'ai fait un tableau pour les diminutions. Pour la taille XSS ou bien 28-34, donc on va diminuer 6 mailles de chaque côté. De chaque côté, on va diminuer 6 mailles. Pour la taille M, on va diminuer 8 mailles de chaque côté. Pour la taille L que je suis en train de faire, on va diminuer 10 mailles. On va laisser 10 mailles de chaque côté. On va diminuer 10 mailles ici. Voilà mon dos. Le dos, il est comme ça. Donc, je diminue 10 mailles de ce côté et 10 mailles de l'autre côté. Donc, je vais commencer à travailler ici après 10 mailles. Et je travaille toute la ligne et j'arrête avant 10 mailles. Donc, on va diminuer pour la taille L 10 mailles. Pour la taille 44-46 XL, on va diminuer 12. On va laisser 12 mailles. De chaque côté, hein, quand j'ai dit 12, c'est 12 de chaque côté. 48-54, c'est 14 de chaque côté. Et pour la taille 56-62, on va laisser 18 mailles de chaque côté. Donc, et on va travailler après, voilà, on va travailler jusqu'à avoir pour la taille XSS 22 cm et demi, pour la taille M 23 cm, pour la taille L 23 cm, ça veut dire la hauteur des émanchures. Avant d'arriver aux diminutions d'épaule. Donc, pour la taille 48-54, on va travailler 24 cm et demi. Et pour la taille 48-54, on va travailler 25 et demi. Et pour la taille 56-62, vous devez travailler pendant 27 cm et demi de hauteur des manchures. Voilà. Donc, on va commencer par faire nos diminutions.
Donc voilà, j'ai le fil ici au bout de mon travail. Je vais faire, je vais aller, au lieu de couper le fil et commencer après 10 mailles, je vais faire des mailles coulées. Donc voilà une maille, la deuxième maille, la troisième. Pour moi, donc pour ma taille, je vais laisser 10 mailles. Donc là, je suis arrivée à 3 mailles, 4 mailles, 5 mailles, 6, 7e, la 8e, 9 et 10. Donc là, je ne vais plus travailler ces mailles-là. Je vais continuer sur ces mailles et ensuite, quand j'arrive ici, je dois laisser 10 mailles encore. Donc là, 2, 4, 6, 8, 9. Donc je travaille encore une, je fais encore une. Je vais faire une comme ça, en maille coulée et je continue à travailler mon point. J'arrive ici, j'ai une maille serrée, donc je vais commencer par 3 mailles en l'air. Et la maille suivante, j'ai une bride, donc je vais faire une maille serrée. Et je continue mon point comme avant. Je vais continuer comme ça. Je vais travailler le schéma, le point de riz. Je vais travailler. Et quand j'arrive à la fin ici, avant de m'arrêter, on se retrouve. J'ai travaillé sur les mailles, j'ai laissé 10 mailles pour la taille L. J'ai laissé 10 mailles, je ne travaille pas et j'ai mis un marqueur à la fin. Donc, moi, entre le premier marqueur, là, quand j'ai laissé les 10 mailles, là, j'ai travaillé en maille coulée jusqu'à sur les 10 mailles et j'ai commencé à travailler, j'ai fait 3 brides. Donc, 3 mailles en l'air. Donc, sur la troisième maille, j'ai mis un marqueur. Un marqueur, donc à la fin de mon travail, j'ai mis un autre marqueur. Entre ces deux marqueurs, pour ma taille, pour la taille L, j'ai exactement 53 mailles. Pour chaque taille, combien de mailles il faut diminuer de chaque côté. Donc là, c'est 6, pour la taille L, c'est XS, pour la taille M, c'est 8 mailles. Donc j'ai mis deux fois, ça veut dire qu'il faut diminuer de chaque côté. Donc 6 mailles de chaque côté. Pour la taille M, 8 mailles de chaque côté. Pour la taille L, moi j'ai diminué 10 mailles. Donc 10 mailles, comme on avait 73 mailles au départ pour la taille L, et j'ai diminué 10 de chaque côté, donc j'ai diminué 20 de chaque côté, il me reste combien? Je vais travailler sur ces 53 mailles. Donc pour les mailles, le nombre, les mailles que je dois avoir entre les deux marqueurs, pour chaque taille, c'est marqué ici. Donc pour la petite taille c'est 49, pour la taille M c'est 51, pour la taille L 53 mailles, pour la taille XL vous devez avoir 57 mailles entre les deux marqueurs et pour la taille 2, 3 XL vous devez avoir 63 mailles et pour la taille, la grande taille il faut avoir 67 mailles. Voilà, vous avez le tableau là, screenez-le et gardez-vous les mesures chez vous. Donc, on va travailler maintenant, on regarde pas ici, on va travailler ici. Donc, entre les deux marqueurs, pour chaque taille, combien de centimètres il faut travailler? Regardez, j'ai mis centimètres ici, donc combien de centimètres il faut travailler? Pour la taille que je suis en train de faire, donc entre les deux marqueurs, là, je dois travailler 23 centimètres. Ça, c'est la hauteur des émanchures avant de diminuer faire les diminutions d'épaule. Donc, on va travailler au point de riz entre les deux marqueurs pour chaque taille. Voilà combien de centimètres. Pour la petite taille, 22,5. Pour la taille M, 23. Pour la taille L, 23 centimètres. Pour la taille XL, 24,5. Et pour la taille 3XL, 25,5. Et pour la grande taille, 27,5. Voilà. Donc, on fait ce travail-là et on se retrouve pour la suite du travail. Donc, qu'est-ce que je vais faire? J'ai fini mon travail. Là, moi j'ai 53 cm. J'ai 53 mailles. Donc, et j'ai terminé mon rang
avec une maille serrée. Le rang suivant, je commence par faire 3 mailles en l'air et je continue mon point de riz. 3 mailles en l'air que je considère comme double bride, comme une bride. Pardon, qu'est-ce que j'ai là? Donc, 3 mailles en l'air que je considère comme une bride. Donc, je ne travaille pas cette maille, je passe sur la suivante et je vais faire une maille. Comme j'ai une bride là, je vais faire une maille serrée. Sur la maille serrée, je vais faire une bride. Donc, vous continuez à travailler entre les marqueurs. Vous continuez à travailler le nombre de centimètres dont on a parlé tout à l'heure. Donc, pour ma part, je vais travailler pendant 23 centimètres. Et là, j'ai une bride, donc je fais une maille serrée dessus. Quand on a une maille serrée, on fait une bride. Et ainsi de suite. Vous travaillez les émanchures, vous continuez. Et on se retrouve. Voilà. Moi, j'ai travaillé pour la taille L. J'ai travaillé les 23 cm pour l'ouverture des émanchures. Donc là, on va mettre la manche. Va être ici. Donc des deux côtés, c'est la même chose. Pour moi, c'était 23 cm. Donc j'ai travaillé les 23 cm. Maintenant, on va travailler, faire les diminutions pour l'épaule. De chaque côté. Pour le dos, on fait les deux côtés en même temps. Donc pour la taille. Pour la petite taille XS, il faut laisser 6 mailles de chaque côté. Pour la taille 36, 38 ou la taille M, 6 également. Pour la taille L, 8. Pour la taille XL, 8. 2, 3, XL, 10. 10 mailles, il faut laisser 10 mailles de chaque côté. Et la même chose pour la 4, 5, XL. Voilà, pour la taille L, moi je vais laisser de ce côté 8 mailles. Il faut laisser 8 mailles, donc... Faut que je commence par faire qu'est-ce que je fais pour laisser 8 mailles. Je vais faire des mailles pour pas couper le fil et aller m'accrocher ici. Je préfère faire des mailles coulées. Donc voilà, dans la première, je fais une maille coulée, dans la deuxième également, la troisième, la quatrième. Cinquième. Six, sept, huit. Je laisse toutes ces mailles et je commence mon travail ici, au niveau de la neuvième maille. Comme j'ai une bride ici, je vais faire une maille serrée et m'introduire et faire ma maille serrée. Voilà, je mets un petit marqueur comme ça. Je risque pas de l'oublier. Et je continue mon travail. Jusque vers la fin où je dois laisser encore 8 mailles. Je compte 8 et je ne les travaille pas. Donc, je continue en point de riz. Donc, j'ai fait ici une maille serrée. Sur la maille serrée que j'ai là, je vais faire une bride. Ensuite, une maille serrée. Ensuite, une bride. Et ainsi, jusqu'à la fin... du rang, mais je vais pas travailler 8 mailles. Je vais compter 1, 2, 3, ainsi jusqu'à avoir 8 mailles. Donc je vais compter tout de suite. Donc voilà, j'ai une maille ici. C'est les 3 mailles en l'air, c'est une maille. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et je dois commencer, je dois arrêter mon travail ici, au niveau de la 9e maille. Je mets un marqueur, comme ça je travaille d'ici jusque de ce marqueur-là à ce marqueur-là. Je vais faire une ligne et on se retrouve. J'ai enlevé le marqueur là, le marqueur, et donc je ne vais pas travailler ces 8 dernières mailles. Donc pour le deuxième rang, pour le rang suivant, je dois diminuer 6 mailles de chaque côté. Donc 6 mailles. Donc pour le rang 1, on a diminué ces mailles-là. Pour le deuxième rang, je vais diminuer ces mailles-là. Donc 7 pour les deux premières tailles. Pour la taille L, 6 mailles.
pour la taille XL, 7 mailles. Pour les deux autres tailles, c'est 8 mailles. Donc, il faut laisser 8 mailles de chaque côté. Donc, pour ma part, donc pour moi, pour laisser 6 mailles de ce côté-là, je vais encore travailler en maille coulée. Donc, je m'introduis dans la première maille, je fais une maille coulée. Une deuxième, je fais une maille coulée. Dans la troisième également. Quatrième, cinquième maille coulée et la sixième. Je vais me déplacer dans la septième et je vais faire trois mailles en l'air. C'est la première bride. Donc je considère que c'est la première bride et dans la maille suivante, je vais faire une maille coulée. Je vais continuer le point de riz normal jusqu'ici. Mais je ne travaille pas jusqu'au marqueur là où j'avais commencé l'autre rang. Donc je dois sauter, je dois laisser 6 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc mon prochain travail doit se terminer. Donc mon rang se termine ici. J'enlève ce marqueur, j'en ai pas besoin parce que je ne vais pas travailler. Je vais travailler maintenant de ce point là. De ces trois mailles en l'air que j'avais fait, de ces trois mailles en l'air jusque marqueur là. Voilà, j'arrive à la dernière maille où j'ai mis mon marqueur. Donc pour l'épaule, j'ai laissé 8 pour l'épaule et pour la taille L, j'ai laissé 8 mailles et là 6 mailles. Et donc j'arrive à la dernière maille, j'enlève le marqueur et je vais la travailler. C'est une maille serrée, donc je vais faire une bride. Et là, je fais comme ça et je vais couper le fil. Ça y est, et j'arrête le dos. Pour le dos, c'est terminé maintenant. Voilà, donc voilà ce que vous allez obtenir. C'est le dos. Et les diminutions pour les épaules, pour l'épaule, au niveau de l'épaule, c'est comme ça. Au niveau des émanchures, c'est comme ça. Et puis voilà, pour la taille L, voilà ce que ça donne. On va faire, puisqu'on va faire un gilet, et il est ouvert, donc on a deux panneaux. Un panneau de droite et un panneau de gauche. Donc... je vais faire une partie avec vous. Vous ferez l'autre partie, mais en sens inverse. Ça veut dire si je diminue pour les émanchures comme ça, un côté je vais diminuer de ce côté-là, et pour l'autre côté, je diminue de l'autre côté. Donc pour commencer le demi-devant, on va commencer par faire d'abord la bordure. C'est comme pour le dos. On va faire une petite bordure de 10 mailles. Je commence par faire un nœud et ensuite 10 mailles chaînettes. Et je vais travailler la bordure en mailles serrées sur le bras arrière comme pour le dos. Et voilà, pour la bordure du devant, voilà combien je dois faire de centimètres. Donc pour taille 28-34, ça veut dire XS et S, c'est 23 cm. Pour la taille 36-38, 25 cm et demi. Pour 40-42, donc moi je vais faire 28 cm. Pour taille 44-46, c'est 30 et demi. Et 48-54, 34 et demi. 56-62, c'est 39 cm. Donc on va travailler la bordure. Je fais là 2, 4, 6. 8, il me reste 2 à faire, 2 mailles encore à faire. J'ai 10 mailles. Je laisse la première, je passe dans la deuxième maille. Et je m'introduis, je vais faire un rang de mailles serrées. Pour passer au deuxième rang, je fais une maille en l'air, je tourne le travail. Et comme tout à l'heure, comme on a fait pour le dos, je travaille sur le bras arrière. Et je vais faire des mailles serrées. Pour chaque taille, voilà le nombre de centimètres que vous allez travailler. Donc pour la petite taille, c'est 23 et jusqu'à la fin, pour la grande, c'est 39. Regardez, ça c'est les tailles, la longueur que vous devez faire. J'ai écrit bordure en centimètres. J'ai terminé ma bordure.
Maintenant, je dois prélever un nombre de mailles. Pour les, voilà le nombre de mailles à prélever, mailles à prélever par taille. Donc, pour la petite taille, je pousse comme ça vous pouvez tout avoir. Pour la taille XS, S, 28, 34, donc 31 mailles. Pour la première taille, 36, 38, 33 mailles. 40, 42, moi je dois prélever 37 mailles sur cette bordure, comme on avait fait pour le dos. Donc 44, 46, c'est 41 mailles. Je lis avec vous en cas où ce n'est pas visible. Donc 48, 54, 45 mailles. Pour la taille 56, 62, c'est prélever 51 mailles. Voilà. Donc je commence par prélever mes mailles. Comme tout à l'heure, exactement la même chose. Je fais une maille en l'air et je fais des mailles serrées. Je prélève. J'introduis le crochet, je tire le fil et je fais une maille serrée. Sur chaque maille, j'essaie, mais je compte le nombre de mailles. Il faut bien répartir nos mailles. Voilà. Vous continuez à prélever vos mailles jusqu'à avoir le nombre nécessaire pour votre taille. Voilà, j'ai terminé. J'ai terminé mes 37 mailles. J'ai fait 37 mailles serrées. Et le rang suivant, je vais faire une maille en l'air. On va commencer le point de riz. Donc, j'ai fait une maille en l'air. Et dans la première maille, je m'introduis, je fais une maille serrée. Dans la maille suivante, je vais faire une bride. La suivante, une maille serrée. Puis, une bride. Pardon. Là, j'ai fait une maille serrée. La suivante, c'est une bride. Donc, on va continuer à travailler au point de riz, notre demi-devant, comme on avait fait pour le dos. Vous faites la même chose pour le demi-devant, jusqu'à atteindre, comme pour le dos, exactement comme pour le dos. Donc, si vous travaillez pour une femme, voilà, pour la petite, je laisse comme ça vous pouvez voir. Donc, ça, c'est les tailles. Donc, les tailles. Et ici, pour les femmes, il faut travailler 40 cm pour petite taille, jusqu'à 42 pour la taille la plus grande. Et puis pour les hommes, si vous travaillez pour un homme, voilà. Comme pour le dos, c'est 43 pour la plupart, les premières tailles, jusqu'à 40, 42. Pour ma part, je vais travailler 43 cm de haut. Et pour les autres tailles, c'est 44,5. Donc on va travailler notre demi-devant en point de riz jusqu'à atteindre ces hauteurs-là. Après, on va faire les diminutions sous aisselle. Donc, on a fait déjà la bordure. Puis, on a continué, on a prélevé le nombre de mailles qu'il fallait. Il fallait continuer à travailler. Pour la taille L, c'était 40 cm. Donc, mais je prends quand même le dos, le dos que j'ai déjà fait. Et je mesure. Il faut que ce soit la même hauteur. Il faut qu'il soit à la même hauteur avant que je commence à faire la diminution des émanchures. Donc là, pour le devant, le demi-devant, je prends celui de droite, c'est un demi-devant, donc je choisis par exemple à commencer par cette partie. Donc je vais faire mes diminutions de ce côté-là. Si je veux commencer par le côté gauche, donc je fais comme ça ou bien comme ça, c'est comme vous voulez. Donc, et je commence dans ce cas, les diminutions seront faites de ce côté-là. Donc, vous posez le pont comme ça. Et on va voir combien il faut diminuer la même chose que ce qu'on a fait ici pour le dos. Il faut diminuer le même nombre. Voilà, j'ai marqué ici les diminutions à faire. Donc, je vais vous laisser pour que vous puissiez screener. Donc, pour la taille S, XS, S, on a fait la bordure. Et donc, le nombre, on a prélevé le nombre de mailles à prélever. Et les hauteurs à travailler avant de faire les diminutions pour les émanchures. Donc, voilà pour les femmes et cette colonne pour les hommes. Maintenant, on va continuer le travail. Que ce soit devant, gauche ou droit, ça, c'est à vous de voir ce que vous, par quoi vous voulez commencer. Donc, pour les diminutions
des émanchures, voilà, comme les diminutions qu'on avait fait pour le dos, la même chose, et on va continuer à travailler en maille, en point de riz jusqu'à ce qu'il ne reste que 8 rangs ici au niveau du dos. Faut compter nombre de rangs: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et donc je commence les diminutions. Moi, je commence les diminutions pour le cou ici. Quand j'arrive, je vais travailler. Je vais faire les diminutions pour les émanchures et continuer. Donc, je travaille ces mailles-là en mailles coulées jusqu'ici. Et puis, ici, je continue à travailler au point de riz jusqu'ici. Et qu'est-ce que j'ai compté? Ici, j'ai compté le nombre de rangs. Il faut que je laisse 8 rangs. Et pourquoi? Quand j'arrive à qu'il ne reste que 8 rangs, j'arrête de travailler. On se retrouve pour qu'on puisse faire les diminutions pour le cou au niveau du devant. On va maintenant faire les diminutions pour le cou. Voilà. Regardez. Donc, quand j'arrive, avant de finir le dos, donc je l'ai 8 rangs quand j'arrive à cette mesure. Donc je vais commencer. Maintenant j'ai la diminution des émanchures de ce côté, donc la diminution du cou va être de ce côté-là. Donc je vais commencer. Donc je vais commencer mes diminutions. Qu'est-ce que ça me dit? Pour les diminutions au niveau du cou, donc pour la taille XSS, je dois commencer par diminuer 6 mailles. Donc je vais travailler 6 mailles en mailles coulées et 6 mailles pour la taille M, 7 mailles, je vais diminuer 7 mailles pour la taille L, 8 mailles pour la taille XL. Pour la taille XL, donc vous pouvez screener cette partie-là si vous ne l'avez pas encore fait. Donc pour la taille, on a dit L, moins 7 mailles, pas taille XL, moins 8 mailles. Pour la taille 2-3XL, moins 7 mailles. Et pour la taille 4-5XL, on va diminuer 9 mailles. D'accord? Donc on va commencer. Puisque moi je travaille la taille M, donc je vais diminuer 7 mailles. Voilà mes diminutions côté émanchure. Donc et je le file de l'autre côté. Donc, je vais commencer donc. Et c'est de ce côté-là que je vais faire mes diminutions de l'encolure, si vous voulez, du coup, on vous l'appelle comme vous souhaitez. Donc, je vais travailler la première maille comme ça, et la deuxième comme ça, la troisième, quatrième, cinquième, six, sept. Donc, ce sont les 7 mailles que je vais laisser. Maintenant, je me déplace sur la maille où je vais commencer à travailler. Donc, j'ai 2, 4, 6. Je suis sur la 8e. Donc, 7 que je ne vais pas travailler. Et sur la 8e, je vais commencer à travailler. Comme j'ai une maille serrée en bas, ici, j'ai une maille serrée. Donc, je vais faire 3 mailles en l'air. Et je marque. Je marque ma troisième maille en l'air. Ça, c'est ma bride. Donc sur la maille suivante, je vais travailler une maille serrée. La suivante, une bride. Je continue en point de riz. Continue comme ça jusqu'à la fin du rang. Et puis donc, après la diminution qu'on avait fait ici, j'ai travaillé en point de riz et puis j'ai refait le rang jusqu'à la fin. Donc je suis revenu au niveau du cou, des diminutions au niveau du cou. Donc à ce niveau là je vais faire une maille en l'air. Je m'introduis dans la première maille, je prends le fil, j'ai 2 boucles sur le crochet, je vais sur la deuxième maille, je m'introduis, je tire le fil. J'ai 3 boucles sur le crochet, je prends le fil,
et je laisse tomber les trois boucles. Là, maintenant, j'ai fait une diminution. Donc, j'ai diminué une maille. La maille suivante, c'est une maille serrée. Donc, je vais faire... D'abord, je vais mettre un marqueur sur cette maille-là, comme ça. Vous ne vous trompez pas. OK. Et maintenant, je continue au point de riz. Je vais continuer à travailler, comme ça. Je vais faire l'aller et le retour. Et au retour, vous vous arrêtez au niveau des deux dernières mailles avant de travailler les deux dernières mailles. On se retrouve. Regardez, hein, qu'est-ce qu'on a fait jusque-là. Donc, jusqu'à présent, on a fait cette diminution-là. Ces diminutions. Donc, pour la taille L, moi, j'ai diminué 7 mailles. Puis, on a fait une diminution ici. Une diminution où on a... La première diminution qu'on avait fait après les 7 mailles, j'ai diminué ici. Donc, il nous reste à faire 1, 2, 3, 4, 5. Donc, au total, c'est 6 diminutions. Chaque diminution, on diminue une maille. On a déjà fait une, là où j'ai mis le marqueur. Maintenant, je vous ai dit, on s'arrête avant la fin des 2 mailles. Donc, ces 2 mailles-là, on va encore faire une diminution. Donc, en revenant... Et à la fin du rang, on va faire une diminution. Comme on avait fait au début, on va faire à la fin. Donc, je m'introduis, je tire une boucle. Dans la deuxième maille, je m'introduis, je tire une boucle. J'ai 3 boucles sur le crochet, je les travaille ensemble. Donc, je les laisse tomber ensemble. Voilà, on a fait une diminution. Je fais une maille en l'air et je tourne le travail pour recommencer. Donc, je suis toujours au début du côté diminution du cou. Donc voilà, à ce niveau-là, donc je vais faire encore une diminution. Voilà, ici en bas, j'ai déjà fait une deuxième diminution. Donc j'ai déjà diminué une deuxième maille. Maintenant, je vais faire une autre diminution. C'est la troisième. Il me restera à faire 3 diminutions que vous allez faire vous-même. Donc voilà, ici quand je fais la diminution, vous avez vu comment on a fait pour la fin. Maintenant, le début, on l'a déjà vu, mais on va le faire encore une fois. Donc je m'introduis et je tire une boucle, je m'introduis. Dans la deuxième main, et je tire une boucle, et je fais un jeté, je laisse tomber les 3 boucles. Donc, j'ai fait ma troisième diminution. Je continue le rond jusqu'à la fin, et au retour vers la fin, vous diminuez encore. Et en partant encore, vous diminuez. Puis, dans l'autre sens aussi. D'accord? Vous continuez les diminutions, faites des croix comme ça, et on se retrouve à la fin de cette diminution. Voilà, j'ai terminé mes diminutions. Donc maintenant, il me reste à faire une dernière diminution au niveau de l'épaule. Vous vous rappelez, pour le dos, on avait fait cette diminution-là. On avait laissé des mailles et puis on avait travaillé là. Il nous reste un rang encore à faire et une diminution. Cette diminution, elle ne sera pas faite du côté du col, mais côté épaule. Donc pour la petite taille, on doit laisser, ne pas travailler ou laisser 6 mailles. Donc pour XSS. C'est 6 mailles. Pour M, la taille M, laissez 6 mailles. Pour la taille L, 8 mailles. Pour la taille XL, 8 mailles. 2, 3 XL, 10 mailles. 10. Et pour la grande taille 4, 5 XL, également, laissez 10 mailles. Laissez 10 mailles, mais côté émanchure. Hein, ici. Donc, on va travailler, par exemple, pour la taille L, moi, je vais laisser 8 mailles. Donc, je vais les travailler en mailles coulées. Je vais travailler 8 mailles en mailles coulées et le reste, je continue en point de riz. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mailles. Donc, ces 8 mailles-là, je ne vais pas les travailler. Donc, j'ai fait des mailles coulées. Je continue. Là, je fais une maille coulée pour aller me placer sur la maille à travailler. Donc, j'ai laissé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Là, je suis sur la maille où je vais travailler. Il y avait une bride. Donc, je fais une maille en l'air et une maille serrée. Parce que avant c'était une bride. Là, j'ai une maille serrée. Je vais continuer. Je vais faire... une bride, une maille serrée ici, je continue le point de riz et une bride, maille serrée et bride
sur la dernière main. Sur ce, on a terminé le devant. Il faut faire un autre. Voilà. Je coupe mon fil et c'est terminé. Voilà. L'autre côté va être fait en vis-à-vis. Ça veut dire, vous avez l'autre côté, mais vous faites les diminutions de ce côté-là et le coup de ce côté-là. Voilà, pour moi, c'est déjà fait, donc voilà. Voilà le devant, le deuxième. Donc, la diminution, elle est faite de ce côté. Pour les manchures, elle est faite de ce côté. Et pour le cou, elle est faite de ce côté. Donc, vous avez deux devants, l'un travaillé en vis-à-vis. Donc, regardez, si vous avez un se travaille comme ça. Vous comprenez, je ne sais pas comment vous l'expliquer, mais en vis-à-vis, si vous faites les diminutions d'un côté, faites-les de l'autre et c'est tout. Donc, puisque le point, la facilité, c'est que le point, c'est le même des deux côtés. Donc, vous ne risquez rien. Même si vous faites, regardez, même si vous faites deux côtés de la même chose, le premier comme le deuxième, vous n'avez qu'à le tourner et faire comme ça, et voilà. Donc, voilà, on a terminé le dos et les deux côtés.